Éternel. So right now, please watch your screen. Regardons l'écran. During the prophetic service of the Ark of God's Covenant Ministry, the man of God, Apostle John Chi, move in the midst of the congregation, and the Spirit of God leads him to give messages of prophecy to the people. As the Bible clearly states in Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge." God has promised not to leave his people in darkness. Jesus Christ is the light of the world, and whoever follows him shall never work in darkness. Still the live prophetic service with Apostle John Chi. Continue to watch your screen. You are tired. I'm very tired. You are tired with life because you start climbing at the, before you know it, everything comes back to zero. Complètement. All what you have worked for, nothing to show. Complètement. This is stagnation. Complètement. Complètement. Tu es fatigué dans la vie. Tu as atteint un niveau et tu as décidé de recommencer à zéro car tu es fatigué dans la vie. C'est vrai. C'est vrai. He's true man of God. C'est vrai. He's true daddy. Tout ce que je fais, rien ne marche. Tout, rien ne marche. J'ai couru derrière vous quand vous étiez à Libreville. J'ai passé toute une journée pour vous rencontrer. Jusqu'à 2h le matin, je n'ai pas pu. Everything I lay my hand on doesn't work. When you were in Libreville, I tried to reach you, but it was no avail. This is my wife. And my daughter, she has breast cancer. Doctor said you have to operate. Where is she? Oui, ta fille. Elvira. Appelle ta fille de venir. Elvira. They want to operate her? On veut l'opérer. Your breast. Her breast. They place your hand there. Pose ta main sur tes seins. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. I command cancer in this body. J'ordonne au cancer dans ce corps de sortir au nom puissant de Jésus Christ. Out in the name of Jesus Christ. Sort au nom puissant de Jésus Christ. Alors, continuez à regarder votre écran, chers téléspectateurs. L'opération spirituelle qui est en cours dans sa vie. Isaïe 55 au verset 3, c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. En direct sur Ark of God TV, la marque 5 au verset 25, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. In the name of Jesus Christ. Amen. Back to the genesis of your problem. Retournons à la genèse de tes problèmes. Years ago, quelques années par le passé, what did they do to you? Qu'est-ce qu'on a fait sur toi par le passé? In the name of protection. Sous la forme de protection. Il y a de cela un an, effectivement, quand je suis venu rentrer du Gabon, si j'ai eu des sérieux problèmes, déjà que j'ai eu des sérieux problèmes avec mon ménage, j'ai dû abandonner ma femme et mes effets là-bas pour être en paix et revenir ici. On m'a amené chez le marabout pour me délivrer. One year ago, when I had a problem with my wife, I left the home and I came back here. They took me to see a witch doctor. Because you have been tormented. Parce que tu es tourmenté. Complètement. Completely, absolutely. Complètement, man of Dieu. Complètement. It's true, man of God. Monsieur, vous êtes le bienvenu à l'âge de l'Alliance de Dieu. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter et les personnes auprès de vous? Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour une fois de plus. Mon nom, c'est Monsieur Richard Fossou. Je suis fabricant de craie et producteur des larves de palmier. À côté de moi, c'est ma tendre épouse, Madame Fossou-Janine. Et à sa gauche, c'est ma fille Elvira. So he presents himself and the people close to him are his wife and his daughter. So
Donc, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire le problème qui vous a amené ici et comment pouvez-vous confirmer la prophétie que l'homme de Dieu vous a donnée? Alors, le problème qui m'a amené ici à l'arche de Dieu, c'était le problème de l'esprit de stagnation, l'esprit d'échec, de mari de nuit, de couche de nuit. C'était tout ça mélangé qui me tourmentait. So he explains that the problems that brought him here to the Ark of God Covenant Ministry were the problems of stagnation, setback, and evil attacks, and spiritual wife. Alors, quand je suis venu ici, j'ai eu la chance que ce week-end-là, c'était la prophétie avec la délivrance. Et j'étais assis juste là où je suis là. Subitement, Manongov, l'homme de Dieu, m'a tendu la main et a prophétisé sur moi. Il m'a dit que ma vie était zéro, que j'avais atteint un certain niveau et j'étais tombé, j'étais à terre. Et que la vie ne me disait rien, que j'étais tourmenté. Et c'était, ma vie, bref, n'avait plus de sens. So he explains that he is here today to confirm the word of prophecy given to him by the man of God, Senior Apostle John Chi. The man of God looked at him saying, your life now is zero. You're from something to nothing and life means nothing to you right now. Il a aussi dit que la source de mes problèmes, il paraît que par le passé, il a dit que par le passé, j'étais allé chez les marabouts. C'est ce qu'il a prophétisé. Et que mes problèmes, il fallait rentrer à la source de mes problèmes. Là où j'étais allé demander protection. Je suis allé chez les marabouts pour chercher à me protéger. C'est ce qu'il m'a encore prophétisé ce jour-là. And he also says the man of God told him that the genesis of his problems came from him visiting witch doctors. Je suis venu aujourd'hui pour confirmer cette prophétie parce qu'en fait, mon histoire commence, je me marie en l'an 2000. Je suis au Gabon, je vis avec mon épouse là-bas et les choses vont très bien. Les premières années de mariage, de travail, je suis transporteur et j'ai une charte de dit Artibus, nous appelons ça là-bas Artibus quoi. Alors j'ai une charte de dit Artibus et en 2009 je décide donc de venir me construire au Cameroun. So he explains that he is here today to confirm the word of prophecy given to him by the man of God, Senior Apostle John Chi. He explains that the problem all started in the year 2000 when he got married and moved to Gabon with his wife. And everything was going on well and he had a lot of transport buses on the road and he was doing very well for himself and his family. Alors, comme les affaires allaient très bien, je me suis dit que mes affaires vont très bien. Avec 10 bus, je ne peux pas manquer 200 à 300 000 francs par jour. Entre-temps, je n'ai pas conçu le village. Il ne faudrait pas quand j'arrive au Cameroun, je demande la chambre à mon grand frère pour dormir avec mon épouse ou bien si y a un événement, je demande la chambre au voisin. Non, il faudrait que je me construise parce que j'ai des moyens maintenant. C'est ce que donc je reviens ici au Cameroun faire. Sauf que quand j'arrive, j'ai des amis avec qui j'ai grandi. Ils m'ont dit, connaissant bien mon passé et mon quotidien en ce moment-là, ils me disent que tu sais, quand vous arrivez à un certain niveau de la vie, en termes financiers, il faut vous protéger. Sinon, c'est, même en famille, vous pouvez avoir des ennemis, ainsi de suite. So he explains that everything was going on so well that he couldn't lack 200,000 by the end of the day. So he later on decided to build a house for himself here in Cameroon. And when he came back to the country, he met with some friends who advised him that financially, you need to protect yourself away from people, friends, due to jealousy. Ce à quoi j'ai cédé, bon, naïvement. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes nés dans une famille, je ne sais pas comment dire traditionnelle, une famille qui, d'autres, je te prie, mais il y a une bonne partie qui croit au marabout. Par exemple, mon père était successeur dans la construction. So he explains that since he's from an idol worship background, and so it made it easy for him when he came back to have friends to advise him to go to witch doctors. C'est comme ça qu'on m'a guidé vers
certains marabouts. Ils ont travaillé sur moi, ils ont pris, ils ont pris la terre. Enfin, ils m'ont demandé d'aller dehors ramasser la terre, comme je voulais, dans un sachet, ce que j'ai fait. Ils m'ont demandé de retourner avec cette terre et que 3 jours après, je revienne avec ce sachet de terre. Je suis rentré dans la maison avec cette terre. 3 jours après, je suis revenu chez le marabout avec cette terre. Il a ouvert dans ce sachet de terre, la terre rouge que vous connaissez. Il a ouvert, il a sorti une bouteille, une petite bouteille, une petite bouteille, quoi. Et dans cette bouteille, il y avait quoi? Il y avait ma chevelure et il y avait le squelette. Vous voyez le petit lézard qui est souvent à la cuisine. On appelle ça en français salamandre. Ça monte sur le mur comme ça. Et son venin est très, très dangereux. Il est petit comme ça, blanchâtre sur les murs, dans la maison. Donc, il y avait ce lézard qui était complètement sec. Il n'y avait que son squelette. Et on avait attaché ma chevelure sur ce squelette, dans une bouteille, dans le sachet de terre qui était chez moi. So, he finally went to a witch doctor who instructed him to go out of the shrine and pick ground. So, when he did so, the witch doctor instructed him to go back to his house with the ground for 3 days and come back with it. And after he came back 3 days later, the witch doctor opened that same ground in a nylon bag and took out a bottle which contained his hair and a war gecko in it. That is a dead skeleton of a war gecko. Alors, il a donc dit, c'est là qu'on avait pratiqué la magie, on m'avait enfermé dans cette boîte, que c'était toute ma vie, que le squelette là, c'est comme ça que ma vie était. Il a donc décidé de travailler sur moi, il m'a demandé d'apporter le poulet, il a donc coupé le poulet et sorti le sang, recueilli le sang du poulet qu'il a mis dans l'eau, et m'a nettoyé, m'a lavé avec, disant que c'était pour me protéger, que c'était pour me retirer des mains de ces méchants. Ça à quoi j'ai cru. So the witch doctor told him that skeleton of the war gecko was his life that was dried up. But for him to be saved, he need to wash him and cleanse him. So the witch doctor used the blood of a chicken and put it in a bucket of water, bathed him, telling him that was cleansing. And he so much believed in it at that time. Alors, quand je construis la maison, je repars à Libreville, sur Libreville. C'est là où tout commence. Déjà que la tôle que j'avais prévue pour ma maison, on avait 52. J'arrive, ça ne suffit pas. Je dis qu'en un mois, je vais vous envoyer l'argent de 9 heures. Mais j'arrive à Libreville, tout m'intercie, rien ne marche. So after that, he went ahead to build his house. He was able to provide everything for the house and 55 tons of zinc for the house. But later on, they called him and told him it was not enough. He told the people involved that when he goes back to Gabon, within a month, he's going to send the money for the remaining 9 tons of zinc. But 1 year later, he still wasn't able to raise money for 9 tons of zinc. Alors, vous imaginez, je ne manque pas 150 à 300 000 francs par jour. C'est vrai qu'il faut compter les pannes, je ne peux pas manquer 200 000. Mais je n'arrive pas à acheter 9 feuilles de tôle bas en un an. Entre-temps, c'est les femmes de nuit qui commencent à venir coucher avec moi. Toute la nuit, je peux coucher, peut-être même 2-3 fois. Elle couche avec moi. Parfois, je vois plutôt le corps d'un homme. Je ne vois pas le visage, mais avec le sexe d'une femme. Elle va coucher avec moi. Et quand elle commence à coucher avec moi, tout ce que j'ai prévu pour le lendemain, ça tombe. So, after he went back, everything about him crumbled. He had 10 buses, 10 transport buses that were running on the way, but everything crumbled. He found himself with nothing. From a man that could raise at least 200,000 a day, he couldn't have anything to fend for himself. So he started experiencing stagnation and spiritual wife coming to him in the dream. Et le marabout m'avait donné des poudres, c'est-à-dire des écorces. Je vais arriver au Gabon, il faut continuer à appliquer, tu prépares l'eau, tu bois. Entre-temps, je continue avec ça, mais je ne voyais pas de résultats. Et j'avais la mémoire tellement faible que je ne pouvais pas imaginer que ce que je pensais que c'était la protection, que ça pouvait être ça qui jouait contre moi. Je ne pouvais pas imaginer. Bon, j'ai donc continué à appliquer donc ces écorces, à boire ainsi de suite, sauf que mes affaires ne faisaient que chuter. Maintenant, à la maison avec mon épouse, alors là, c'était du jamais vu. C'était la bagarre, les querelles tous les jours. Je me lève, je dis bonjour, c'est des problèmes.
Je ne dis pas bonjour, c'est les problèmes. On ne peut pas, je mange, c'est les problèmes. Je ne mange pas, c'est les problèmes. Donc, viens de marcher à la maison. So that same witch doctor had given him some herbs to bathe with and rub and some to drink. So when he went back, he kept on doing them. Little did he know that that instead got his problems aggravated. And even in his house, in his home, there was no peace. There was no affection. Instead, when his wife holds him to beat him up, he will feel like it's a man that is beating him and flogging him very well. Donc, on querellait et puis on terminait, ça allait jusqu'aux mains. Mais quand ma partenaire me touchait, c'est comme si Mike Tyson m'avait donné un coup. Je ne savais pas si c'était une femme qui était devant moi. Ce qui fait donc que je pouvais faire facilement 9 mois. On disait que nous étions frères et sœurs à la maison. La femme ne me disait plus rien, rien du tout. Mais je prenais plus du plaisir quand cet esprit venait la nuit coucher avec moi. Je me sentais tellement à l'aise. So he explains that in the home there was no affection. Him and his wife, they were like cat and dog, cat and rat in the house. The wife who cook, for him to eat is a problem. If he doesn't eat, it's a problem. He greets his wife, it's a problem. He doesn't greet her, it's still a problem. So, and they were also fighting at home. C'est comme ça que mes affaires se sont écoulées. Beaucoup de taxis sont restés au garage. J'ai enlevé les moteurs, j'ai vendu aux pièces détachées. D'autres viennent acheter la portière, d'autres viennent acheter ceci. Voilà comment tous ces taxis ont disparu. Et je suis tombé complètement. And for his buses, his transport buses, none of them were functioning. He started selling parts by parts of each of these buses just to help himself financially, but still to no avail. Dans cette tourmente, j'ai gardé mon sang-froid parce que j'ai un sang très fort. Je n'ai pas paniqué, mais j'avais compris, puisqu'en ce moment-là, je voyais la chaîne de Emmanuel TV. So he explains that through all of this, he still maintained his calm and his cool. Alors, je me disais que j'avais finalement compris que ce n'était pas un problème d'hôpital ou bien d'être humain, qu'il y avait quelque chose de spirituel dans ma situation. Bon, je cherchais donc, mais comment faire pour rencontrer un homme de Dieu qui peut être à la hauteur de mon problème? C'est comme ça qu'en 2000. And so that's when he started understanding that his problem was beyond the physical and it was now spiritual. And he was asking himself that how can he find a man or a man of God that can help him take him out of that situation. Dans cette situation, c'est comme ça que l'un de mes neveux depuis l'Allemagne, il m'appelle. Il me demande, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis que mes affaires sont tombées, je ne fais rien. Je suis un électron libre maintenant. Il me dit donc, j'ai des projets au Cameroun que l'Union européenne va financer. Comme tu as beaucoup fréquenté, est-ce que tu peux aller gérer cela? J'ai dit, mais naturellement, je suis libre, je peux aller, il n'y a pas de problème. Explique-moi seulement de quoi il s'agit. Il m'a expliqué, j'ai vu que j'étais acteur avec mon bagage intellectuel, je pouvais donc gérer ces projets-là. J'ai dit, je vais aller au Cameroun. Quelles sont les conditions que tu me poses? Il m'explique comment celui qui gérait ces projets au Cameroun, il était payé à 1 500 000, mais entre-temps, il a volé dans les projets près de 14 millions, et ça lui a posé des problèmes. Il voudrait maintenant mettre quelqu'un de la famille à qui il peut faire confiance. So during this crisis, he met someone who offered him a job, telling him that there's a job in Cameroon that I need to find a manager to go and oversee this job. He asked for the processes, and the person confided in him that the previous manager that was there stole 14 million from the business, and he was also being paid a sum of 1.4 million monthly. Voilà donc que je prends le vol, j'atterris au Cameroun et je vois les projets. On me présente les projets en question à Yaoundé, à Bafoussam et à Kribi. Je dis que je suis à l'auteur. Alors, vous me payez combien? C'est ça qui est plus important parce que j'ai une famille à nourrir. So after all this, he accepted the job offer and came down to the country. So once he was in Cameroon, he called the nephew and asked him that, okay, now, how much will be my own pay? Mon neveu a donné rendez-vous le lendemain, parce qu'on causait sur WhatsApp, il était depuis l'Allemagne, on causait.
Et le directeur, celui qui le représentait à l'Allemagne, on a causé. On devait causer le lendemain. La nuit, la même femme est venue coucher avec moi dans les rêves. Le matin, à 8h30, au rendez-vous, il m'a dit qu'il devait me payer 75 000. So once in Cameroon, the day before his meeting with the nephew, he had an affair with a woman in his dreams. And when he went the next day, the meeting didn't go as planned. Alors je dis, mais comment tu, pour le même projet, tu payes quelqu'un 1 500 000? Il vit au Cameroun, il est sur place. Tu me déplaces du Gabon. Tu me prends de l'étranger pour venir gérer le projet, tu me payes 75 000. Mais est-ce que tu es sérieux? Il me dit, je suis sérieux. Il dit que je ne peux pas. Avec ton argent, je ne peux pas. Il me dit donc, on se libère. So because of that dream, when he met with his nephew the following day, a job that we were paying the previous manager 1.4 million francs, they proposed to pay him 75,000 francs. C'est comme ça que dans la tourmente, voilà, mon passeport est périmé et expiré. Ma carte de séjour expirée. Ma carte consulaire expirée. Il me faut un billet d'avion pour retourner à Libreville. J'appelle ma famille là-bas pour dire que voilà la situation, voilà ce qu'il faut faire. On me dit que oublie tout ce qu'on a cherché, ne rêve plus, tu peux rester au Cameroun, ne tente même plus. So at that point, he denied the offer and said, I cannot take such a pay, given the fact that I'm coming from all the way from Gabon just for this job. So he later on called his wife back in Gabon and explained the situation. And she instead told him that I don't care. You can remain in Cameroon for all I care. Meanwhile, all his visas, his passports were expired and he had no money on him to book a return ticket. C'est comme ça que je me retrouve encore dans la tourmente. Je me dis que je suis sorti de la pluie au Gabon pour venir entrer dans les torrents au Cameroun. Qu'est-ce que ma vie va alors donner? Étant seul, même le suicide est venu un peu devant moi. Bref, j'ai fait des semaines. Je ne sais pas comment je mangeais, je ne sais pas comment je vivais. Sauf qu'un matin, je me suis dit qu'après tout, j'ai encore les 10 doigts. J'ai fréquenté, j'ai des connaissances dans la tête. Je ne compte pas sur la famille. Parce que chez nous, chacun, c'est chacun pour soi. Alors j'ai dit que je vais recommencer ma vie à zéro ici à Yaoundé. Si c'est vrai que Dieu existe, qu'il comprenne mes pleurs et qu'il m'ouvre des opportunités. So he was frustrated and he started having suicidal thoughts. But after some time, he said to himself, I am a man and I have 10 hands and I have been to school. So by God's grace, if he really exists, I am going to start my life back at fresh air in Cameroon. C'est comme ça que je repars dans mes connaissances que j'ai eues à l'université de Kinshasa, là où j'ai fait mon enseignement supérieur. Je me rends compte que là-bas, on nous a enseigné à fabriquer la craie quand nous étions en chimie là-bas, à faculté de chimie. Également, nous avait appris à produire ici les anetons. Les anetons, c'est les chenilles qui sortaient des rafiers ou bien des palmiers. En anglais, on appelle ça de palm wheels. Je crois que c'est ça. Donc, on nous avait appris ça là-bas. Mais sauf que depuis, je ne faisais pas. Puisque j'étais au Gabon, mes affaires marchaient, je ne pouvais pas faire ça. Bon, maintenant que je me retrouve en détresse, j'ai pensé donc à tout cela. Et même les pavés en matière plastique, on m'a formé. J'ai été formé à l'université pour ça. Je me suis dit que bon, je vais, parmi tout cela, chercher quelque chose pour m'occuper au Cameroun, si ça peut donner. So at that point, he remembered he had been taught some skills in school, such as making chalk, rearing palm wolves for sale, and also producing plastic materials. So he thought to himself that among all these skills, I'm going to pick one or a few to survive myself here in Yaoundé. C'est comme ça que dans cette tourmente, je fais donc la connaissance de celle qui est à côté de moi, ma charmante épouse maintenant, parce que j'ai décidé d'oublier Libreville avec tout ce que ça comporte. Je vais faire une nouvelle vie. Je fais donc la rencontre de celle-ci. Et c'est là que je lui explique donc, voilà, comme tu acceptes qu'on vive ensemble, voilà ma situation. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Ne dis pas demain que je t'ai trompé. Je ne vais pas venir te dire que je suis cadre. Donc là où tu me vois, je suis à zéro. Si tu en peux s'entendre, on va se chercher, ainsi de suite, commencer une nouvelle vie. C'est ce qu'elle a accepté de faire.
So it was in the midst of this crisis that he met this beautiful woman standing by him, by his side, and he explained to her what he was going through. He explained his challenges and his difficulties, but still, to the glory of God, the woman accepted him the way he was, and they started life afresh. C'est ainsi que je lui présente le projet de la production des anatons que voici. Je commence par lui présenter ce projet qui demande très peu d'argent. Il dit que je n'ai même pas 5 francs, mais si j'ai 50 000, je peux produire les anatons que voici, et 1 kilo coûte trop cher au Cameroun. Avec 50 000, on peut produire suffisamment, et en produisant, je vais lancer des formations en ligne, comme ça on aura un peu de sous maintenant pour faire un grand projet qui nécessite d'argent. C'est qu'elle a accepté et elle l'a financé. Et donc lancé la production des anatons que voilà. Sauf que quand je lance la production, quand je vais récolter, la même femme vient dormir avec moi et demain je vais trouver les anatons morts dans les bacs. And that's how he, when they were together, he explained his projects to his wife. And he told her about the palm weevils. He told her he knew how to raid them in a large scale quantity, and since they are really expensive here, he believed a little money inside will bring back much return. But to his greatest dismay, when he started this project, the spiritual wife came and had an affair with him. The following morning, he saw that all of these things were dead. Les gens m'appellent depuis le Togo, la Côte d'Ivoire, pour que depuis Madagascar et la Dominique, pour que je les forme en ligne. On conclut très bien. Je donne mon mot pour que verser l'argent dedans. Là, on me dit au revoir. On ne va plus jamais m'appeler ni verser l'argent. Même ici à Douala, Yaoundé, on conclut bien le prix de la formation. On dit, me demande le momo. Je dis, voilà mon momo pour verser l'argent. C'est parti. Personne ne verse plus l'argent. So he formed an online training session, how to train people to raid these palm weevils. People called him from all over the country, all over the world, but whenever he has an affair with this woman, nothing works as planned. Everybody, all the people that wanted to be trained by him, they left him hanging halfway without payment. C'est comme ça que je dis à mon épouse que vraiment ça ne va pas. C'est pas grave. Il y a un autre projet qui est la fabrication de la craie scolaire. Dans toutes les maisons au Cameroun, il n'y a pas une maison où on n'écrit pas, on n'utilise pas la craie. Et il n'y a pas de fabricant de craie au Cameroun. J'en connais à peine deux. Toute la craie vient de l'extérieur. Faisons ce projet. Je connais fabriquer la craie, mais je n'ai pas de machine. Ça ne se fabrique pas au Cameroun, c'est jusqu'en Chine. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu as un peu d'argent, prends ça, je commande la machine, on va fabriquer la craie. C'est qu'elle a accepté de faire. Elle s'est débrouillée pour la première fois. Elle m'a trouvé 300 000. J'ai commandé la machine en Chine, chez le Chinois. La machine est arrivée. La même femme a encore dormi avec moi. Le lendemain, on a essayé la machine. Aucune barre de craie n'est sortie. So he told his wife that since the first plan has failed us, why not go into a second plan? He decided to go into chalk production because he told her there is no home in Cameroon or in the world where they don't write using chalk. So, but he explained to her that he didn't have money and they need a machine to produce this. So his wife accepted and raised 300,000 to support him buy the machine from China. But when the machine came here, it wasn't able to produce a single bar of chalk. After sleeping with this woman again in the dream. C'est comme ça que ma nouvelle femme commence à me suspecter. Il paraît que le papa s'est venu plutôt me mettre dans les dettes. Moi, je ne connais pas comment je vais donner sortir l'argent. Ceci ne va pas. Tu me dis, sors pour ceci. Je sors, ça ne va pas. Je vais continuer à sortir. Alors, j'ai continué à la convaincre, ma chérie, vraiment, comprends-moi, ce n'est pas de ma faute. Cet argent, toi et moi, nous sommes allés envoyer en Chine. Ne pense pas que le Chinois m'a renvoyé cet argent pour dire que j'étais escroqué. Non. J'ai quelque chose qui ne va pas. La crève, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. So his wife started suspecting him, asking him and telling him that, are you here to drain me or are you here for us to build together? But he reassured his wife saying, it is not his fault, but he believes there is something wrong. Dans cette tourmente, après cette première machine, quelques semaines après. So during this torment, he just kept pressing on and talking to his wife. So after some few weeks, quelques semaines après, donc,
J'étais en conversation avec une connaissance. Il m'a demandé ce que je faisais. Tout, tout. J'ai dit que non, vraiment, ça va, ça ne va pas, ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait avant que ça ne va pas? Il dit, mais voilà, voilà, je lui ai présenté ma situation. Il dit, est-ce que je peux t'aider? Il dit, pas de problème. Il a dit. So after some few weeks, and while he was talking to his wife, he met someone who asked him, who approached him, that what are you doing for a living? What are you doing to finance yourself? He explained to him what he was going on, and the person asked him, what can I do to help you? C'est comme ça qu'entre-temps, comme je ne savais pas que le prophète John Chie était au Cameroun, j'étais en train de zapper les chaînes, et je me rends compte que je le reconnais. Et j'ai dit à celle-ci, mais tu connais le papa? Si, il me dit non, c'est qui? Je dis que c'est le prophète John Chie. Le prophète John Chie, c'est qui? Il était comme ça, je le décris, il dit que je n'ai aucune idée. Mais je vais sur l'écran, je prends l'adresse pour savoir si c'est lui. J'appelle ici, on me dit que c'est Aboya. Comme ça, qu'en janvier, je viens ici parce que je veux voir avec mon œil si c'est vrai, John Chie que je connais. C'est comme ça que je suis venu ici et j'ai vu que c'était effectivement John Chie. Et il m'a touché ce jour-là. But before then, he was going through his TV channels and he saw the Ark of God TV. He asked himself, is this really the man of God, Senior Apostle John Chie? So for more information, he took the address, the ministry's address from the TV screen. He called and they told him that, yes, it is him here in Boya. So he transported himself from Yaoundé, came to church, and he saw that indeed it was the man of God, Senior Apostle John Chie. Je viens ici à l'église alors avec mon épouse et ma fille. Et ce jour-là, j'ai dit à mon épouse que si aujourd'hui, en face de Dieu, à la face de Dieu, mon problème ne peut pas être résolu. Je vais tomber dans la débauche. Tu peux m'oublier. Je rentre, je suis célibataire, je fais ma vie comme je veux. Je monte, je descends. Si à jamais j'arrive aujourd'hui et que John Chie ne me parle pas de ma vie, je m'abandonne. So why here at the Ark of God's Covenant Ministry during the course of the service? He told his wife that if we are here today and the man of God does not locate me, once we leave this place, I am going to go and live a carefree life, not caring what God has to say concerning my situation. Il faudrait préciser qu'entre-temps, une connaissance nous a aidés à prendre une deuxième machine. Je vous ai parlé de la première qui n'avait jamais écrit, sorti une barre de craie. Entre-temps, Dieu a envoyé une connaissance qui nous a fait encore acheter une deuxième machine. À plus de 500 000 depuis la Chine. So during the course of the service, the man of God located him through a word of prophecy. And after that, when he went back home, that is how a stranger called him and asked him, how can I help you? He explained his problem and the man was like, okay, I can bless you with a new machine for you to start afresh. Alors, quand nous arrivons ici, l'homme de Dieu prophétise. Quand nous arrivons ici, l'homme de Dieu prophétise que ma vie est à zéro, j'étais à un certain niveau, je suis de la société, je suis descendu, ainsi de suite, comme vous avez vu sur l'écran, c'était vrai. Et entre-temps, quand il prophétise, ma fille que vous voyez, elle avait une masse dans le sein gauche. Elle avait une masse dans le sein gauche. Non seulement cela, mais entre-temps, chaque semaine, les chiens du voisin la mordent jusqu'à ses parties intimes. Toutes les semaines, les chiens la mordent. Toutes les semaines, les chiens la mordent. Ensuite, j'avais constaté qu'elle n'apprend pas. J'ai donc pris son téléphone, j'ai confisqué pour l'obliger à apprendre parce qu'elle a fait le DCI deux fois, elle a échoué. Quand j'ai caché son téléphone dans mon costume, dans ma chambre à son absence, trois jours après, le même téléphone, j'ai vu qu'il y avait le réveil à 4 heures. J'ai dit, mais un téléphone que j'ai fermé, je mets dans ma... Comment ça fait le réveil? Je me lève, je vois que quelqu'un avait ouvert ce téléphone. Et c'est comme ça que le lendemain, je me lève, je lui demande, est-ce que tu as touché au téléphone? Elle dit oui. Je dis, mais qui t'a montré où? Elle dit que non, c'est l'esprit qui lui a montré où le téléphone était caché. Je dis, mais donc tu... So, and that's how they came here. But during the prophecy of the man of God, after he had finished talking to him, he now told the man of God about his daughter having a breast mass. He explains that this is because his daughter has been having spiritual attacks. And she wasn't focused in school. So, and now due to these evil attacks, they were coming physically to her in form of dogs. Dogs were biting her at least twice every week. A dog or dogs will attack her every week.
And aside from that, she wasn't doing well in school. So he seized his phone as the father. But 2 days later, he realized the daughter's phone, where he kept it, rang. And he realized that someone had taken the phone, opened it, and put an alarm. So he confronted his daughter and asked her, "How did you know where I kept the phone?" Après donc la prophétie, j'ai eu la chance que l'homme de Dieu a prié avec nous et m'a offert l'huile d'onction que voit l'huile de victoire que vous voyez. Alors, il m'a offert cela et nous sommes donc rentrés à Yaoundé. Il faudrait préciser que ce jour-là, l'homme de Dieu avait même dit qu'il devait me voir après. Sauf que pour des raisons que je ne vais pas évoquer, je me suis retrouvé à Yaoundé avec ma famille. Et quand nous sommes arrivés, on a commencé à prier et à utiliser cette huile de victoire. Avant deux semaines, j'ai constaté que le chien ne la mordait plus. Le chien qui la mordait toutes les semaines, le chien la voit, il se couche, il dort. Put your hands beautifully for Master Jesus. This can only be Jesus. Come on, put another hand beautifully for Master Jesus. So, sir, please, we wish to find out were the dogs biting your daughter physically or spiritually? Comme je vous explique là, les mêmes deux semaines, elle m'a dit, papa, la boule qui était dans mon sein, je ne ressens plus. Je dis, mais comment? Moi, à son âge, moi, j'ai été obligé moi-même de toucher pour accepter qu'il n'y a plus rien dans son sein. Put your hands beautifully for Master Jesus. Okay, so he explains that after the word of prophecy here on Sunday, the man of God blessed them with a bottle of victory oil. So when they went back, the first change he realized was the dogs were no longer after his daughter. Je voudrais préciser ici que les chiens ne mordaient pas ma fille dans les rêves. J'ai dit physiquement. Si bien que moi-même j'ai pris la matière pour aller abattre cette chienne. La propriétaire a dit que non, laisse, on va trouver une solution à ça. Elle-même a vous montré ses parties intimes, une partie quoi. Donc, voilà la deuxième réalisation. Et la machine qu'on m'avait proposée, après donc la prophétie de l'homme de Dieu, c'est comme ça qu'une deuxième connaissance nous a ouvert la voie et nous a donné l'argent. J'ai donc financé la deuxième machine. Put your hands beautifully for Master Jesus. So he explains that after the prophecy of the man of God, in the life of his daughter, the dogs didn't just stop biting her, but also the breast mass that the doctors had diagnosed her daughter of, 2 weeks after the prophecy and the prayers of the man of God, the breast mass was nowhere to be found. And also in his life, that is how someone, another person, called him and blessed him with money to finance the production of his child. Put your hands beautifully for Master Jesus. En continuant à utiliser cette huile, la femme de nuit qui venait coucher avec moi, je ne la vois plus. Sauf qu'entre-temps, elle vient, je la vois, et nous causons, nous dialoguons. Quand elle vient, au lieu de d'avoir affaire avec moi comme d'habitude, j'ai constaté que dans les rêves, nous causons, je refuse, et par deux fois, elle a utilisé ma main, comme si j'étais une chasseuse femme, parce que j'ai refusé le contact. Elle a forcé ma main pour utiliser. Mais quand je me suis réveillé, j'ai pris encore l'huile d'onction, j'ai prié, et depuis, je ne vois même ma main, elle n'utilise plus. So he explains that after the prayers and why he kept on using the oil of victory, he realized that this spiritual wife, stopped coming to him in the dream. Alors, voilà la nouvelle machine. Il faut maintenant l'argent pour acheter la matière première
et produire la craie. J'ai trop souffert. Je vais prendre l'argent ou la machine là, je fais comment? C'est comme ça qu'une nuit, je me lève à 3h30, je suis au salon en train de travailler. Subitement, je vois à travers les fenêtres et le plafond les termites. Vous connaissez les termites? Quand il pleut légèrement, il y a les ampoules, il y a des insectes qu'on appelle termites qui viennent là-bas s'agglutiner. Quand je vois 3, 4, 5, 6, 7, je pense, je mange parce que c'est très bien. Sauf qu'après 10 minutes, je vois ça entre comme si peut-être la fumée, ça entre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ouvre ma porte, je vais dans ma cour, peuple de Dieu. Vous connaissez, vous avez déjà vu la neige en Europe. Quand il neige, vous voyez la chaussée, tout est blanc. C'est comme ça que je vois ma cour. Tout est blanc dans ma cour, blanc, 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 blanc. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que je frappe à la fenêtre, j'appelle mon épouse, que viens, viens, viens. Elle dit, mais tu fais quoi dehors à 4, 3 heures, 4 heures? Je dis, viens, viens voir. Elle vient, elle ouvre la porte. Elle me trouve dehors. Elle dit, papa, ça c'est quoi? Je dis, appelle Elvira. Elvira, c'est ma fille. Appelle-la, venez m'aider, venez m'aider. C'était quoi? C'était les termites. Si vous connaissez les termites, rien que les termites, c'est comme ça qu'on va à la maison. On a vidé tous les mammites, vidé les seaux, vidé les assiettes. Attrape comme ça. Alors, vous voyez comment nous, on ramassait dans la poule comme ça, comme si c'était les graines de riz. Pas qu'on prenait, non, on ramassait des poignées, on a rempli tous les seaux et marmites, tout, jusqu'à 6 heures le matin. So he explains that one day, one night, when he was sleeping, he heard some movements outside. Around 3 a.m. in the morning, he went out to check what was going on, only for him to discover that they were termites. But it wasn't like they were coming one by one. It was like a heavy pour of termites in front of his house. He checked the neighbor's house. Their bulb was brighter than his. But it was only in front of his house that they could find this termite. So from 3 a.m. to 6 a.m., they filled everything in the house with termites. Alors, vu la quantité à 6 heures, on a enlevé les plumes, tout était plein d'animations. On ne peut pas manger cette quantité d'insectes. Il faut vendre. Et j'ai dit à mon épouse que à mon âge, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Ça, c'est sûr que c'est l'argent de la craie que Dieu est en train de m'envoyer là. Retiens ce que j'ai dit là. C'est l'argent de la craie que Dieu m'envoie. C'est comme ça que je dis à mon épouse. Put your hands beautifully for Master Jesus. So he says, this termite. This heavy pour of termites now, in the morning, they were able to fix it and cook it and sell. And that is how he got money, capital, to continue in this his truck business. Put your hands beautifully for Master Jesus. Voilà comment ma fille qui est là, elle partait maintenant à l'école. Elle vendait, rentrait le soir. L'argent qu'on a dit, gardez, je vais voir. On a gardé. Après 2 semaines, j'ai dit, bon, je vais acheter la matière première qui me manquait pour fabriquer la craie. Mon épouse a dit, c'est bon. J'ai donc acheté la matière première. Et c'est comme ça que la machine dont je vous parle, j'ai lancé la fabrication avec. Voilà que les barres sont sorties intactes. Très belles barres. Les tailles sont respectées. C'est sorti. J'ai donc fabriqué de ce moment-là jusque là où nous sommes. J'ai 1600 cartons à la maison. Beautifully for Master Jesus. I mean, clap for Master Jesus. Indeed, faith is a confidence in the greatness of God. So he explains that after he sold this termite, he used the money to finance the production of the chalk. And unlike before, because he had the backing of God now in his life, he was able to produce 1,600 cartons of chalk. Right now, put your hands beautifully for Master Jesus. Je voudrais préciser, dans un carton, il y a 20 boîtes comme ça, dans un carton. 20 boîtes comme ça, dans un carton. Et la semaine passée, j'ai continué toujours à utiliser cette huile. La semaine passée, c'était mardi. C'est comme ça que quelqu'un m'appelle depuis Bafoussam. Il me dit qu'il a besoin de 30 cartons. Put your hands beautifully for Master Jesus.
So he explains that in one carton, there are actually 20 boxes of chalk. And right now he has been receiving others from different parts of the country asking him and asking him to send them chalk. So viewers all over the world, we are still here at the Ark of God's Covenant Ministry, listening to life-transforming testimonies. Keep watching your screen. Testimonies are meant to glorify God. Testimonies are meant to glorify God. Indeed, faith is trusting and having confidence in the greatness of God. It takes a man and a woman of faith to say thank you even before the blessing has come. It takes a man and a woman of faith to act faith even when the challenge is still there. We believe all the things that have not been working in your life, after today, they will start working for the glory of God. Ce matin, il était 9h, il était 9h34. J'étais là au couloir. Et voilà, voilà la commande qu'on vient de m'envoyer pour 20 cartons. Put your hands beautifully for Master Jesus. This can only be God. So he explains that today, while in church, this morning, someone messaged him placing a command of at least 20 cartons of chalk. And that is the message on the screen. Turn and tell your neighbor, today, your problems will not escape the anointing of God. Do you believe? Put your hands beautifully for Master Jesus. Je suis venu donc retrouver encore la face de Dieu pour dire que merci, j'ai vu déjà le début de ma restauration. J'ai vu les effets de Dieu Tout-Puissant. Je sais que le reste est à venir. Put your hands beautifully for Master Jesus. He says, indeed, he has seen the miracle working power of the resurrection power of Jesus Christ. And he believes that better days are still ahead of him. This is just the beginning of God's power in his life. Put your hands beautifully for Master Jesus. Madam, you're welcome to the Ark of God's Covenant Ministry in Jesus' name. Amen. Please, can you introduce yourself and the people next to you? Bonsoir, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis Madame Fosso Janine. Celle qui est à côté de moi, c'est ma fille. Et lui là-bas, c'est mon charmant époux. She presents herself as Mrs. Janice, and the person next to her is her daughter, and the other person is her husband. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais juste confirmer la confession que mon mari vient de parler. Il a déjà presque tout dit. Tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'est passé, She says she has nothing much to add because everything the husband said is true. Moi, j'avais un problème où je ne savais pas prier. J'allais bien à l'église, mais je ne me concentrais pas. Je n'arrivais pas à me concentrer sur la prière. Quand on est en train de prier, toutes les choses qui me passent dans la tête. Donc, je venais là, je restais parfois, je dormais, je me levais, je rentrais. Je n'arrivais pas à me concentrer dans la prière. So she explains that before them coming here to the Ark of God Covenant Ministry, she never knew how to pray. She never had the focus and concentration on the things of God. Jusqu'à ce que j'ai fait sa connaissance, il m'a parlé de l'homme de Dieu. On a décidé ensemble de venir ici à Boya, puisque nous sortons de Yaoundé.
On a décidé de venir ici ensemble et puis depuis que je suis ici, l'homme de Dieu a prié pour nous et puis j'ai commencé à comprendre ce que c'est que la vie de Dieu. And she explains that before she met her husband, she never took things of God seriously. But after she met her husband and they came here to the Ark of God's Covenant Ministry, and the man of God, Senior Apostle John, she prayed for them. Since then, she is now spiritually minded. She can now pray and focus on the things of God. La dernière fois nous étions ici, l'homme de Dieu a demandé pendant la prière que chacun doit demander son vœu, ce qu'il demande au bon Dieu. Moi j'ai prié ma part, j'ai demandé que tous mes clients que j'avais perdus, tout espoir que j'avais perdu dans ma vie, que ça revienne et que mes clients doivent m'appeler. Je disais seulement que mon téléphone doit sonner dès mon retour pour que je recommence ma vie comme c'était avant. Et quand nous sommes partis d'ici, nous sommes arrivés, on a voyagé toute la nuit, nous sommes arrivés à Yaoundé le matin. À peine posé mon sac, je vais prendre le seau pour aller me laver, mon téléphone a commencé à sonner. Quand j'ai pris là, c'était les commandes qui commençaient, on commençait à m'appeler, on me bousculait avec les commandes. Put your hands beautifully for Master Jesus. So, Madame explains that after they came here to the Ark of God's Covenant Ministry, on that fateful day, the man of God, during the mass prayer, asked everyone to tell God your innermost desire, what you want God to do for you. And in her heart, she prayed and cried out to God, Father, let my customers who have abandoned me and left me call me back and other more than before. And when they went back home, the next day, just for her, before she could even drop her bag in the house, her phone was ringing and people were placing orders. Put your hands beautifully for Master Jesus. Et ici, j'ai vraiment confirmé que Dieu existait par rapport à la masque que ma fille avait dans le sein. Et que après, l'homme de Dieu a prié pour elle, la masse a disparu complètement. Je l'ai ramenée à l'hôpital, j'ai changé d'hôpital, je l'ai ramenée dans un autre centre que consultez-moi ma fille. On a fini de consulter, je croyais que je faisais mal. On m'a dit que non, on ne voit, elle n'a pas de bout dans le sein. Put your hands beautifully for Master Jesus. So Mama explains that aside from her business as it started moving back and getting back to her feet, her daughter and the breast mass, after she had taken her to the first hospital and confirmed that yes, she had a breast mass, she took her now to two different hospitals after the prayers and after administering the victory oil, they could no longer find the breast mass. Bon, je suis venue là vraiment confirmer et dire aux gens que quand on est au quartier, on croit que ce qu'on fait à l'église, là, c'est du folklore, puisque une comme moi, j'étais Thomas. Quand on me dit que ça se passe comme ça, si je ne vois pas avec mes yeux, je n'accepte pas. Depuis que je suis venu ici, j'ai appris à prier, j'ai vu des choses de mes propres yeux. Moi-même, je dis déjà aux gens que non, ce que j'ai vu, ce qu'on dit là n'est pas faux, ce qu'on dit là est vrai. Moi-même, j'ai vu de mes yeux, et puis donc, passant par les prières que moi-même, je sens dans moi, ma vie était déjà foutue, je ne vendais plus même 2 mois, mon téléphone ne peut même pas sonner. Quand je suis venu là, dans mes prières, je demande que non, que mes clients, s'ils soient, ils sont où? Ils doivent revenir. Quand je suis rentré, maintenant je reste là, à l'heure où je parle, les messages sont pleins dans mes téléphones là derrière. Put your hands beautifully for Master Jesus. Mama explains and she says that indeed there is God. Because before, she was a Thomas. She wanted to see before she would believe. But after what happened here at the Ark of God's Covenant Ministry, today she stands as a living witness and a living testimony to say, indeed, God exists. Before, she could make 2 months, she would have no cell, no one would call her phone. But right now, at the moment, her phone has been buzzing since morning, people placing orders. Je remercie le Seigneur par son fils, apôtre John T, pour tout ce qu'il a fait pour ma famille, pour ma fille et pour mon mari, parce que il y a un moment, je ne le croyais plus. Tout ce qu'il parlait, je ne comprenais plus rien. Et lui disait que tu as porté tes problèmes pour venir ajouter sur ma part. Je suis là, ma part ne me laisse pas. Tu as tout travaillé, ton argent, laissé là-bas chez ta femme là-bas et tu viens m'étouffer avec tes problèmes.
Il pleure, quand je vois, il pleure, ça me fait mal. Il me dit que non, laisse, ça va changer quand on va aller chez l'homme de Dieu ici. Je le connais depuis le Gabon, je le connais depuis qu'il était au Nigeria. Il fait du bon travail. Quand on va là-bas, la vie va changer. J'ai dit, ok, allons alors, frère. Quand nous sommes arrivés là, donc moi, je confirme là maintenant que ce qu'il disait est vrai. Je vois avec tout ce qui se passe devant nous. Moi, je confirme à la maison maintenant, on peut manger comme on veut, au moins se manger. On peut résoudre nos petits problèmes avant d'attendre la rentrée scolaire. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. So before, Mama could not believe whatsoever was going on. She didn't believe that God was indeed existing. She didn't believe that her husband wasn't playing games over her because she knew the kind of person she used to be. But after he came, she started looking down on him, blaming him for all their difficult times. But since after the prayer, she can say for a fact and for sure, there is change in their situation. Bon, j'ai un conseil à donner aux gens parce que des gens qui, comme moi, qui ne croyaient pas que vraiment Dieu existe, quand on a un problème dans la vie, parce que j'étais désespéré, je vivais seul, mes choses étaient comme ça, je faisais mes choses seul, mais il est entré dans ma vie, il m'a appris comment il faut connaître Dieu, comment faire des bonnes choses, comment, et puis depuis que j'ai accepté moi-même, je vois que les choses vont bien. Et je donne des conseils aux gens que... Parce que moi, j'ai passé toute ma vie à travailler, à aller nourrir ces gens-là. Ce sont des bandits. Quand ils donnent avec la main gauche, ils prennent avec la main droite. J'ai passé ma vie à investir. On te dit, pour avoir un mari, fais ça. Lave-toi. Va faire ceci. On te lave avec de l'eau sale, avec les choses, les trucs pourris. On te fait boire les articles. Donc, quand j'ai un moment, j'ai dit que j'arrête. Mais quand j'ai pris la route de l'église, je ne connaissais pas prier. Je ne me concentrais pas. Bon, il est venu, il m'a appris. Depuis que je suis ici, on dit, faites comme ça, je fais. Faites comme ça, je fais aussi et je vois quand je prie tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Et je rends grâce, et je rends grâce ce jour. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. So, Mama explains that she advises the viewers all over the world that indeed there is God. Indeed, God lives. Because before, she often used to patronize witch doctors. She would do whatsoever they asked her to do. But to no avail, instead, whenever they tell her to do something, her life will drop drastically. But from the day she decided to surrender everything to Master Jesus, her life and that of her family has changed for good. Put your hands beautifully for Master Jesus. So, sister, you're welcome to the Ark of God's Covenant Ministry in Jesus' name. Bonsoir, peuple de Dieu. Je me nomme Feje Kamjo Elvira Borimel et voici mes parents. So she presents herself as Elvish and the person next to her is her mom and the person next to her mom is her dad. So what brought me here was a problem of spiritual attack, both physically and spiritually. So all started when I had a dream where I met people in the court. So they were asking me to join their sacred group, though I refused. So that's how everything started. Alors, nous sommes en train d'écouter ce merveilleux témoignage. Vous avez écouté la version de notre sœur, la version de ses géniteurs. Nous sommes en train de l'écouter à présent concernant la prophétie. Ils avaient reçu le serviteur de l'apôtre John Shea, elle avait un problème de cancer. Elle nous relate à présent comment est-ce que tout a commencé. They were asking me to join the sacred court. Then I refused. They asked me, they told me that I have something in me, that they need that thing to work, to do evil. I said no. They told me that they wanted me to be their deist. That they were to praise me, I was to be the queen. I refused because they told me that I was to go out and be killing people. Et nous relate comment est-ce que tout a commencé une fois de plus. Elle avait eu un songe où les chiens, elle avait une rencontre spirituelle avec des chiens où elle a été mordue. Et c'est là où son problème a commencé. Le lendemain, elle a joint un groupe qui lui avait demandé de joindre une secte. So since then, I've been frustrated. Cool, nothing. I wrote my DC twice.
nothing was going. I could not concentrate in school. I was frustrated because in the morning, when I would just get up in the morning like that, I want to go to the toilet, I would just see dogs. Like, they were pursuing me, they would bite me, fight with me, all of that. On fait comprendre qu'au cours de cette rencontre, on avait sollicité qu'elle devait être le reine dans cette secte et qu'elle devait aussi gagner les âmes pour cette secte. Et elle était frustrée parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Et en ce qui concerne ses rêves, elle avait toujours la rencontre avec ses chiens qui la poursuivaient et qui étaient mandatés à cette secte également. So after that dream, one day I was with my mom and my dad. We were watching Ark of God. So I told my mother that I'm feeling pains in my breast, my left breast. So my mother came, she started touching. Then she called my father started touching too. And then my father said that we should first of all see a medical doctor. Then we went there. On fait comprendre qu'après avoir expérimenté ces chiens dans les rêves et qu'il la poursuivait et où elle avait été sollicitée de joindre une secte et elle a refusé, elle nous fait comprendre qu'après quelques jours, elle a commencé à sentir la douleur au niveau de sa poitrine sur son sein et elle a dit cela à ses parents. Ses parents ont vérifié, ils ont vraiment trouvé qu'elle avait mal au niveau de sa poitrine, de son sein et il fallait qu'ils aillent à l'hôpital pour voir un médecin. Pour essayer de voir ce qui n'allait pas. So reaching there, the doctor said we were to operate me because then my father was really down. Everything, nothing was going well. Really frustrated. Nothing, no money. My father decided that we should come to Ark of God Covenant Ministry. D'après les analyses au niveau du centre médical, le docteur avait déclaré que concernant le mal de sein qu'elle avait, elle devait se faire opérer. Et ses parents n'ont pas accepté cette nouvelle. Ils ont plutôt décidé de chercher la face de Dieu ici au ministère de l'âge d'alliance de Dieu pour éviter que leur fille soit opérée. So we came. My father took the number. Then we came here to Boya. During the prophetic service, my father located Father Apostle John. She located my father, and then I and my mother we stood up after the prophet started praying for me, and everything was fine. Finalement, ils ont réussi de venir ici au ministère de l'âge d'alliance de Dieu. Pour chercher la face de Dieu concernant le problème de leur fille. Et par la grâce de Dieu, au cours de l'administration du serviteur de Dieu, l'apôtre John G, il les a localisés par une prophétie et elle a été interpellée concernant le problème qu'elle avait au niveau de son sein. So when the prophet prayed for me, we went back home. He blessed us with this oil of victory. We went back home. I took the oil. I was praying and massaging my breast with it every day. That's how after 2 weeks the thing that was inside disappeared. Une fois que l'apôtre John Chia a été informé qu'elle était infectée du cancer, il a prié pour elle et l'homme de Dieu les a aussi bénis avec l'huile de victoire qu'elle vous présente en main, téléspectateurs de retour à la maison. Elle a continué à oindre son sang et à prier avec l'huile de victoire. Finalement, la bosse qui était, ce qui était dans son sang a disparu. La masse qui était dans son sang a disparu par l'utilisation de l'huile de victoire que le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, les avait donné. Yes, when I started, I applied the oil on me. No more dogs, we are no more fighting. When they see me, they'll make as if nobody is fighting. No more bad dreams at all. Put your hands beautifully for Master Jesus. Cela est vrai que dans la présence de Dieu, il y a l'onction qui brise le joug. L'onction venant de l'huile de victoire qu'ils ont reçue du serviteur de l'apôtre John G a brisé le joug des cauchemars, du cancer et tout ce qu'elle faisait face. Elle ne peut que retourner la gloire à l'Éternel d'avoir utilisé son serviteur de Dieu, l'apôtre John G, pour briser tout joug dans sa vie à travers l'huile de victoire. Then at that time, I was writing my advanced level. My father took this oil of victory then. He took the oil and rubbed it on my two pants. He told me that my sister, my child, go and ride, you will pass. God is with you.
And that's how I went. I wrote and I passed. I had my advanced level with 3 papers. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. Téléspectateurs, comme si cela n'était pas suffisant, non seulement l'eau de victoire que le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, les avait donnée, a mis fin à tout joug dont elle souffrait. Son père lui avait également donné le conseil de prendre ce même tuile de victoire et oindre ses stylos afin d'aller composer son examen. Elle a fait cela. Regardons le résultat ensemble. So, please, madam, we can see some documents on the board. Please, can you explain it for the benefit of the viewers and those watching us? Okay, this is the first document showing that I have a mass in my breast, in my left breast. Then after we came here, the man of God prayed for me. Then after 2 weeks, we went back to another doctor and we went for checkup. He said that there's nothing in my breast again. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. Téléspectateurs, nous sommes à présent sur le Babia pour confirmer le récit de son témoignage qu'il vient de partager avec nous. Nous voyons le premier rapport médical avant de venir ici au ministère de l'âge d'Alliance de Dieu qui prouve qu'elle avait le cancer au niveau du sang. Et nous voyons un peu plus loin le deuxième rapport médical qui prouve qu'après sa prière, ici au ministère de l'âge d'Alliance de Dieu par le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi, Dieu l'a libéré du cancer. Continuons toujours avec le témoignage de notre sœur. Elle a été bénie, libérée du cancer. Elle a aussi eu son examen après avoir utilisé l'huile de victoire venant du ministère de l'âge d'Alliance de Dieu par l'apôtre John Chi. So, sir, for this wonderful thing. OK. Peuple de Dieu, je ne sais pas comment. Je manque de mots pour exprimer la malgaieté du cœur devant le trône du Seigneur. Je suis venu ici avec ma famille témoigner de tous ces bienfaits que le Seigneur n'a cessé de nous combler. Je voudrais le remercier. Remercier surtout l'homme de Dieu qui a accepté d'être utilisé par le Tout-Puissant pour nous servir, pour nous délivrer, bref, pour résoudre tous nos problèmes. So he is here today to thank God for working in his life through his servant, Senior Apostle John Chi. Nous sommes en train d'écouter le conseil que notre Père nous apporte et apporte au peuple de Dieu qui sont hors d'ici concernant l'intervention divine que Dieu les a accordée par le serviteur de Dieu, l'apôtre John Chi. Écoutons cela avec un cœur de prière, sachant que nous serons les prochains à témoigner. Croyez fermement et Dieu le fera, téléspectateurs. So yeah, they can see the scars on my legs when I was being attacked by dogs on my legs everywhere there. Yes, I've been attacked by dogs all the time. They'll just attack me for nothing, for no good reason. On my legs, everywhere. Et les spectateurs, vous venez de voir également. So after the prayer, no more attacks. They're seeing me. They'll pass. Everything is okay. I'm okay now. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. Vous venez de voir une fois de plus sur le babillard les deux problèmes qu'elle avait. Elle avait premièrement le problème de cancer au niveau de son sein avant de venir ici au ministère de l'âge d'Alliance de Dieu. Après la prophétie et la prière du serviteur de Dieu de l'apôtre John Chi, elle a été libérée du cancer et elle vous présente à présent sa chambre parce qu'elle était attaquée de temps en temps par les chiens. Physiquement, les chiens la mordaient. Et après la prière ici au ministère de l'âge d'Alliance de Dieu, Dieu l'a affranchie et elle n'expérimente plus ces chiens qui la mordaient de temps en temps. Plus de cancer. Plus de cauchemars, Dieu l'a libéré. Frères et sœurs en Christ, je vous présente ici ma salle de production de la craie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous regardez ici la table d'exposition, les bacs de séchage,
les cuves de chimie, les cuves de produits chimiques, comme vous regardez là. C'est lui qui vous parle, c'est lui qui est debout, comme vous voyez là. Et moi-même en question, comme vous voyez sur l'image. Ça, c'est la salle, mon atelier de production à Yaoundé. Vous voyez que les boîtes qui sont là, c'est cette boîte que vous identifiez en main, comme vous voyez les photos. So, ça explains that the pictures on the board right now are evidence of his production of chalk. That is his working space, and that is where he is able to produce all this quantity of chalk. That is the 1,600 cartons of chalk he has been able to produce. And that is... Les spectateurs, regardez ce qu'il produit, la production de la craie qu'il vient de présenter. Nous continuons à écouter la personne à côté de lui. So, sir, for these wonderful things that God has done for you and your family, what is your advice to the people watching us? Tout ce que je peux conseiller à mes frères et sœurs présents ici et tous ceux qui nous regardent à travers Atahogop TV, c'est que quand vous avez des problèmes comme ce que je connais, même si c'est pire que les miens, cherchez la face de Dieu. Les marabouts, vraiment sans vous mentir, nous y sommes allés par ignorance. Parce qu'on n'avait pas le courage de chercher la face de Dieu. Mais j'ai dit aux gens que quand vous avez ce problème, venez vers un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Cherchez la face de Dieu et vous aurez la solution. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ. So his advice to those here present today and the viewers all over the world is that no matter the condition, the situation you may face or you find yourself inside, seek first the kingdom of God, because no other source will be able to help you and provide for you the way God will bring you out of that situation, because he will bring you out with a change. Gloria al Señor. Ciudadano del cielo. Más antes, estamos escuchando a esta familia que estás aquí esta mañana para confirmar la palabra profética que recibió del apóstol John Chi aquí en el Ministerio del Arco de Dios desde Boya, Camerún. Bueno, nuestro hermano nos cuenta tanto problema que ha sido al frente antes de llegarse la palabra profética a lo que rompió el yugo de la pobreza, de la aflicción y del mal, la suerte que has tenido en cuenta de su vida. Pues nos dice que venía de Gabón, aquí en Camerún, y se encuentra frente de mucha dificultad hasta que no podía regresar ahí. Pero gracias a Dios ya se di cuenta que era un hombre inteligente y había aprendido a hacer muchas cosas. Empezaba a fabricar sus cosas, tal como estamos viendo de la pantalla, y gracias a Dios el Señor le dio con esta mujer que estás aquí y esta que ha tenido esta hija, gloria al Señor. Ellos dos intentaban a buscar la vida hasta que hoy día ya pueden comer y ya tienen un pequeño negocio que estás haciendo y que les estás ayudando. Y por toda esa dificultad, nuestro hermano nos dice que ha sido a parte de los curanderos en vez de buscar esa solución, pero esto no le ayudaba. Hasta que por fin, gracias al Señor, vino aquí en el Ministerio del Arca de Dios y donde se encontró con el apóstol y recibió esta palabra profética, lo que le salió de esa pobreza absolutamente. Y hoy día también el milagro que el Señor hizo en tu vida, su hija que tenía un bulto dentro del pecho y hoy día está diciendo que después de usarse el aceite de victoria, completamente el bulto ya no estaba, que era un pensivo de cáncer. Y hoy día la niña está completamente sanada. Y a esta familia hoy esta mañana está diciendo que no tiene nada que dar al Señor Jesucristo, pero está agradeciéndole por su amor y su gracia, también agradeciendo al apóstol John Chi por haber dejarse usar con el Espíritu de Todopoderoso hasta que hoy día puedes ayudar tal a ellos como a nosotros. Tal estamos viendo en la pantalla también a esos gusanos que están produciendo como negocio para sobrevivir. Así que gracias al Señor Jesucristo por este cambio de vida, porque a quien reencuentra el Espíritu de Todopoderoso se le cambia la vida, el destino y el futuro. Si Dios también te libera, recuérdate que es por la salvación de tu alma. Que Dios le bendiga el negocio, bendiga la familia y que crezcan en el nombre de Jesús. Bendiciones, que Dios le bendiga, Señor. Put your hands beautifully for Master Jesus Christ as they walk back to their seats. Bénissons l'Éternel comme ils retournent à leur place.
Rise up, rise up, rise up. Veuillez nous lever, s'il vous plaît. Do you believe you are next in line for, to testify? Est-ce que tu crois que tu es le prochain? Turn. Is around the corner. And God has given me the grace to use this particular birthday celebration to reconcile and rededicate marriages and marital homes back to God. Many marriages are under attack. And God has given us the grace to cast every hidden entity.